N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode de Ratchet & Clank Opération Destruction. Donc, on s'était laissé ici parce que moi je croyais que j'avais tous les holoplans. Mais en fait, non. Je n'ai pas tous les holoplans. Donc c'est pas grave, apparemment le dernier holoplan qui me manque se trouve sur la dernière planète. La planète Fastoon. La planète des Lombax. Et donc on y est parti tout de suite. Je suis prêt à en découdre. Normalement j'ai toutes mes armes à fond. J'ai la dernière armure. Enfin, ou l'avant-dernière, je ne sais pas trop. On m'a dit des choses, alors je ne sais pas. Mais je suis prêt à en découdre. Ça c'est sûr et certain. Allez, la petite planète Fastoon, c'est parfait que ça s'arrête ici. Sur notre planète. Attention, attention, les soldats de Tachyon nous ont verrouillés. Les semer sera difficile. Tu sais, si on se déleste du poids en trop, tu pourrais augmenter ta vitesse. Non, ce ne sera pas nécessaire. Bon, à chaque fois qu'il se déleste du poids... Dès qu'il se déleste du poids, c'est lui qui saute, hein. Donc, je comprends pourquoi il voulait pas, hein. Bon. J'essaie d'esquiver, mais c'est pas facile, hein. Oh là là, je vais pas mourir comme ça, Ok, donc là, faut détruire les 5 canons. On va faire ça vite fait, bien fait. Allez, un de moins. Par contre, faut que je passe attention à ma vie, là, parce que... Faut pas trop que je prenne trop la confiance non plus. Bon, du coup, je vais tout casser, comme la dernière fois, parce que... J'aimerais bien trouver le dernier holoplan. Putain, mais... Ah, j'ai pris tellement cher. À mon avis, je vais pas y arriver. Je vais mourir avant. Ah, faudrait que ma vie augmente. Je suis pas très loin, en plus. Ah, là, il y a de la vie. Faut que je prenne. Là, il y a un truc, ok... Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah. Faut que Clank passe par là? Non. Alors, faut peut-être monter là? Bon, je vais essayer de monter, parce que là, je vois pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est sympa que le dernier combat se passe sur cette planète. Au début, Fastoon, j'avais pas compris, mais... en fait, oui, c'est l'endroit idéal. En quelque sorte. Oh. Oups. Nuit toxique. Oula, je vais me les prendre les dégâts là. Bon, celui que j'ai déjà détruit. Ok, merci, ça m'aide beaucoup. Ok, ils sautent. Je les ai même pas touchés, hein. Ils ont sauté. Est-ce que j'ai récupéré les munitions? Oui, parfait. Là par contre mon gars, tu vas prendre ta rive. Et comme par hasard, je récupère ma vie. Voilà. Je le savais que si je les tuais les deux là, j'allais récupérer toute ma vie. Ha. Tellement efficace cette arme. Là, il y en a une là-haut, là. Comment je fais pour monter? Je peux la détruire comme ça?
Allez, une de moins. Bah merde. Bon, tant pis. À mon avis, il fallait que je monte là. Que je fasse le tour. Et je pouvais la... Attends. Attendez. Mais d'où? Mais quoi? C'est pas possible, ça. Ok. Oh oui, bah... J'ai bien fait d'y aller, hein. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de cristaux que j'ai. Va falloir que j'améliore mes armes, hein. Quand je verrai un vendeur, première chose que je ferai, j'améliore mes armes. What the fuck? Allez. Cette arme-là, je la kiffais tellement, mais maintenant elle est tellement useless. Voilà, ils sont même pas tous morts. Alors que j'ai utilisé toutes mes munitions. Celle-là, ça sert à rien, ils ont des protections. Bon, bah... J'ai pas le choix. Mais meurs! Mais putain, je peux même pas l'attaquer. Bon, vas-y, tiens. Allez, hop. C'est bon, mais du coup, les munitions, zéro. C'est compliqué. C'est complicado. Ok, bon. Alors ensuite, où est-ce que je vais? Par là, non? Ouais, je crois que c'est le dernier endroit où j'ai pas été. Mais par contre, les munitions, zéro. Hein. On va prendre un petit Zurkon. Voilà. Du coup, je sais pas du tout quoi utiliser. Petite nuée, nano. Là, je prends vraiment tout ce que je peux parce que les munitions, zéro, 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 zéro. Voilà, j'ai récupéré mon Zurkon, c'est parfait. En plus, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien, hein. Pour récupérer les munitions, c'est vraiment la dèche. Bon. Ok. Il n'y avait rien. D'accord, ok, super. Il est où le dernier, là? Bon, je comprends pas, il est où? Il est là, mais il faut descendre le... Comment on le descend? Le pont. Avec ça, non, peut-être? Je comprends pas. Je comprends que dalle. Après, là-bas, il y a une porte. Fallait peut-être descendre, non? Attendez, il y a des boîtes, là. J'y vais parce que s'il y a l'holoplan, ça serait dommage de le louper. Pas d'holoplan. Ok. Attendez. Parce que là, eux, ils attendent là, devant. Donc c'est qu'il y a un truc. Il y a un délire, non? Ouais, il y a un délire. C'est obligé. Ok. Là, il y a un vendeur, donc on va y aller parce que les munitions, c'est la mort. Et attendez, je vais augmenter mes armes avec le raritanium. Là, par exemple, il manquait celle-là. Voilà, comme ça, c'est fait. Et manquer... Le lance-rapace, c'est bon. Ok, ok. Canon alpha, hop. On l'augmente à fond. Nuit toxique. On va l'augmenter à fond aussi. Cette amélioration... Voilà, parfait. Là, à mon avis, ça va être efficace. Ok. Mais qu'est-ce que je dois faire? Attendez, je comprends rien, là. Si la porte là, elle s'ouvre pas. Je comprends rien. C'est pas clair là, hein. C'est vraiment pas clair du tout.
Là, j'y étais. J'ai fait le tour. Là-haut, j'y étais aussi. En bas, on peut rien faire. On peut pas envoyer Clank. Non. Là-haut, je suis monté déjà. Moi, il n'y a que ça que je peux pas faire, là. Ah, oh, il y avait un passage là. Oh là là. Je suis à la ramasse. Des fois, il y a des choses évidentes. Et je passe complètement à côté. Bouffe ça, s'il te plaît. Bouffe ça, toi aussi. Oula, ça tire dans tous les sens. Ok. Oula, attention parce que eux, ils piquent vraiment eux. Ok. Je regarde si j'ai pas oublié de caisse. Ah oh bah si, il y en a plein là. Ok. Donc elle va nous rejoindre dans la cour. Mais là, il y a des trucs. Attendez, je vais y aller. Si ça se trouve, il est là le... Lolo plan. On va pas me la faire à l'envers, moi. Ok. Ah putain, il est pas là. Mais il est où, cet holoplan? Bon. Elle a dit qu'elle nous avait rejoint dans la cour. Donc on va s'y rendre tout de suite. Vous n'avez rien vu, tout s'est bien passé. Ok. On va faire le nettoyage. La vie qui augmente. Ça, ça fait plaisir. Allez, avancez là, vous. Vous faites quoi? Eux, ils font vraiment du surplace, hein. Ils font de la figuration. Là, il y a des caisses. Toujours pas d'holoplan. Ah là là, ça rend fou. Voilà, j'ai plus de munitions. Là, le problème, c'est peut-être même que j'utilise trop les armes, les grosses armes. Peut-être, hein. Voilà, voilà. Ça va faire le taf. Les dessus. Oula, je vais me prendre des dégâts. Même pas. C'est bien parce que ça les stoppe. Par contre, là, il y a une porte qui a été ouverte. Bon. On peut pas y monter, apparemment, donc je vais pas insister. Ok, je vais te couvrir, t'inquiète. Elle est tellement radicale, cette arme. C'est un truc de ouf.
Radiquement. Mais arrête de me couper là, oh. Bon allez, on y va. On y va sans récupérer de vie. Parce qu'on est des thugs. Là, il y a des caisses, par contre, je vais les récupérer. Voilà, on fait le nettoyage. Allez, s'il vous plaît, mourrez tous. Par contre, eux, ça pique. Oh, ma vie qui augmente encore. C'est un truc de ouf. C'est qu'il y en a des ennemis là. Ouloulou, je vois plus rien. Allez, c'est bon, j'ai survécu. Par contre, ma vie. Mes armes, ma vie, faut que je fasse attention. Putain, lui pique, hein. Oh putain. J'ai voulu trop la jouer. J'ai voulu trop faire le mec. Bon, allez. Là, on va utiliser la nuée toxique. Ça va le faire. Faut juste faire ça bien. Nuée toxique, Zircon, faut tout mettre. Deux Zircons, par contre, c'est peut-être pas utile. Nuée toxique. Allez, allez, allez. Si je parle pas trop là, c'est parce que vraiment c'est très très compliqué ce passage. Il y a beaucoup d'ennemis. Et ils sont vraiment costauds, donc... Nuée toxique. Judicateur. Extermination. Exterminate. Ceux qui ont la ref, GG à vous. Allez. Il y en a combien là? Ça s'arrête jamais. C'est pas possible. Alors attendez, un petit Zircon. C'est dur à esquiver. C'est dur d'esquiver toutes les. C'est bon là, c'est fini? Oh là là, c'était dur! Par contre, il y a quoi ici? Ok, c'est le même endroit. Il n'y a pas une caisse cachée quelque part? Non. Bon, allez, on y va. Retrouvons-nous dans la cour d'Azimut. Oh, mais qu'est-ce que... Attends... Oh, ok, c'est parti.
Je prends la rampe grave, et toi, tu regardes où conduit cette porte. Je continue de casser toutes les caisses en espérant trouver un holoplan. Parce que je vais en avoir sans doute besoin contre lui, mais je trouve pas d'holoplan là. Mais tais-toi, toi! Je vais te faire ta fête, tu vas voir. Fais trop le fou, lui! Bon, on monte, on verra bien. Ratchet, la cour d'Azimut est une ancienne citadelle Lombax qui se trouve dans la ville. Si t'as qu'un... On se barricade à l'intérieur. Il va nous falloir la clé des champs énergétiques. Je me dirige vers la tour de sécurité. Je t'appelle dès que j'ai la clé. Ok, va chercher la clé. Et nous, on va défoncer tous les ennemis qui se... qui se retrouveront sur notre chemin. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Hein. C'est vrai qu'il est dur, ce jeu. Il est beaucoup plus dur que tous les autres. Du coup... Oui, oui, t'inquiète, je suis prêt. Il y a une armure ? Il n'y a pas d'armure. Ok. Je récupère toutes les munitions. Il y a quoi comme arme assez forte? La plus forte après c'est celle-là et celle-là. Je vais essayer d'améliorer celle-là en dégâts. Je fais vraiment ce que je peux parce que là... Là il y a encore des trucs. Putain, mais il est où l'holoplan là? C'est ouf ça aussi. Je suis en stress là, à mon avis il va être tellement dur à battre l'autre. Ok, donc là ça sert à rien. Ouais, merci, ouais, je reviendrai. Alors attendez, parce que là à mon avis, nuée, ça sera pas de trop hein. Oh là 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 là. Ma vie qui a augmenté encore, heureusement, parce que... Il y a des ennemis absolument partout. Et ils sont tellement déter. Et là, je me dis, si j'avais pas amélioré mes armes, mais comment j'aurais galéré. C'est un truc de ouf, hein. Mais encore merci, hein. Je le dirai jamais assez merci, en fait. Parce que j'aurais tellement galéré. Là, ça va, j'arrive à faire tout en une traite. À peu près une traite, quoi. Donc attendez, là, il y a des trucs. Je vais regarder à droite, à gauche, parce que... C'est pas normal, cette histoire. Il nous raconte sa vie, lui, en même temps. Alors là, c'est mort, je me suis mis dans la sauce. Alors, attendez. Ouais, je peux pas recommencer tout de suite, en plus. Ok, alors attendez, parce que ça a l'air d'être vachement compliqué, quand même. What the fuck? Alors, faut que je descende ici. Voilà. Il y en a un là. Mais de toute façon, même là-bas, comment je fais après? Ça n'a pas l'air facile, hein, cette histoire. Je sais pas ce que je fais. C'est pour faire simple. Non. Mais après, comment je fais? Ah, d'accord, ok. Non! Non, c'était le bon truc, c'est ce qu'il fallait faire. Oh, je suis deg. Attendez. Ok. Mais dis, ça demande une rapidité de ouf, hein.
Ça, ce truc-là, ça avait l'air tellement simple au début. Et maintenant, par contre, wow, je suis en PLS. Allez. Non. Oui. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Il est où l'autre? Ok, il est là-bas. Donc en vérité, c'est bon. Vas-y, passe par là. Voilà. Et là, j'ai largement le temps de revenir. Voilà. Et B. Yes. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Alors, je suis désolé de couper à chaque fois qu'il parle, mais moi, j'ai des ennemis en face de moi. Du coup, faut que je les éclate, hein. Désolé, Zircon. Le team tire à bout portant, bah c'est sûr que tu vas y arriver mon gars. Ok, bon. C'est tellement difficile, il y a tellement d'ennemis partout. Alors attendez, je vais... Oh, il est là, l'eau-plan. Yes. Mais du coup, moi, du coup, je fais comment? Faut que je retourne tout en arrière, là? Je suis retourné sur la planète Sargasso pour récupérer le Telt. Hey, sans blague! Tu as réussi! Bravo, amigo! Attends un moment que je te fabrique ta nouvelle arme. Fils, je te présente la Telt 4. Fais bien gaffe à ce propagateur de misère. Elle a été bannie sur 8 galaxies. Accède au menu de sélection rapide pour le personnaliser en mettant juste le jeu en pause. Bah maintenant, je suis parti pour le défoncer. Guerre thermonucléaire mondiale. What the fuck? Armure, il y a une nouvelle? Non. Toujours pas. Au niveau des armes, est-ce que je peux l'améliorer cette arme? Même si j'en doute. Ah si, tu peux l'améliorer. Hein. Ah ouais. En fait, j'aurais dû garder mes cristaux pour améliorer cette arme-là. Ah, je le savais pas. Heureux. Donc, on s'était laissé à peu près ici. Je suis tellement content. J'ai amélioré toutes les armes. J'ai le skin le plus beau du jeu. J'ai l'arme la plus forte. Mais je suis prêt à en découdre. Là, c'est bon, c'est la fin. Je suis au top niveau. Je vais le défoncer. Tu dois faire pivoter le pont pour que je reconfigure le terminal du champ énergétique. Ces triples forts semblent déclencher les commandes du pont. Elle est terrible, cette arme. C'est un massacre. Ils ont le temps de rien faire, les autres. Après, au niveau des munitions, elle est très, très, très limitée. Donc faut que je fasse attention à cet aspect. Mais sinon, ça va. Hein. Et dites-vous, elle est pas du tout améliorée. Alors, si j'arrive à l'améliorer, à la mettre V2 ou V3, mais waouh, ça va être terrible. Terrible. Tiens, il y a un boulon en or ici. J'augmente encore ma vie. Oh là 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 là. Mais je vais avoir tellement de vie. Tellement de vie, tellement d'armes efficaces. Je suis imbattable. Allez, hop, on active ça. On active ça. Et on active le troisième qui va ouvrir une porte. Le bleu fait pivoter ce pont.
Oui. Oui, oui, oui. Il faut faire quoi? Ok, donc eux, ils bougent pas, donc ils m'indiquent rien. Ok, d'accord. Il y a un crack au boulon. Un petit crack au boulon. Ouais, je me dirige vers le terminal. Couvre-moi pendant que je reconfigure les cellules d'énergie. Ok, t'inquiète, je te couvre. Mais c'est un massacre, cette arme. Il n'y a pas de... Déjà, elle vise tout le monde. T'as encrypté la matrice de commande du champ énergétique. Je vais devoir rediriger manuellement le courant vers les commutateurs de la porte. Ça y est, je te retrouve à côté des commutateurs de la porte, devant la cour d'azimut. Ok. Donc elle va me retrouver... Bah là, juste ici, hein. Par contre, les munitions du Telt, ils partent tellement vite. Ou alors c'est moi qui s'y prends mal, peut-être. Mais moi, je suis un bourrin. Donc quand faut tirer, je tire. Je fais pas semblant. Allez, meurs, 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 meurs. Tiens. Ah, il s'en est sorti. Oh, t'en tues un, il y en a un autre qui apparaît, c'est ouf. Allez, petite nuée. Ah bah non, bah c'est pas nuée, du tout même. Allez, ça, ça devrait être bon pour le tuer. On récupère les munitions, s'il y en a. Ok, alpha canon. Là, il n'y a rien d'ouvert. Lequel? Ok, celui-là. Ah bah non, ok. Du suspense, du suspense. Allez, je récupère les munitions. Parce que là, j'ai mon petit Telt V1. Dont les munitions partent tellement vite que t'as pas le temps de dire bonjour. Lorsque mes impitoyables guerriers ont dévasté leur ville, tes congénères ont trouvé refuge derrière ces murs. Ils pensaient que s'ils fuyaient cette dimension, je ne m'en prendrais pas à cette chère Polaris. N'importe quoi! Les Lombax ne sont pas des lâches! Ah, vraiment? Dimensionnateur! Localise les Lombax! Rentre chez toi et rejoins les tiens. Ou reste et souffre. Si je vous laisse avec le dimensionnateur, personne ne sera à l'abri. Ni mes semblables, ni mes amis. Je n'irai nulle part tant qu'il ne sera pas réduit en miettes. C'est typique des Lombax, si noble, si courageux, si désireux de mourir. Putain, ça a dû être tellement dur de renoncer. Alors attendez, parce que là... Petit coup de grouviton. Ah, ça fonctionne même sur lui, c'est trop marrant. Ça, c'était vraiment drôle comme truc. Allez, on utilise le Telt.
Ça lui fait pas mal de dégâts, mais bon. Sont vraiment dangereux. Quoi? Oh, attends, on n'est pas dans un holofilm quand on croit que le mec est mort et tout à coup... Non! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout laissé par terre! On est grave dans le pétrin. What the fuck, on est où là? Allez, faut que je le termine. Oh putain, je m'y attendais pas à ça. Ok. Là, faut... j'ai juste à esquiver. C'est trop drôle. Alors, on va faire ça. On va tout mettre. On va tout mettre. Faut sauter là. Voilà. Là, je jette le justificateur. Faut absolument tout lui mettre. Ok, ça c'est fait. Putain, ma vie là. Il y avait pas un truc pour récupérer de la vie, je sais plus c'était quoi. C'est ça je crois, non? Ok, d'accord. C'est pas du tout ça, c'est ça que je voulais prendre. Ah putain, 2 points de vie. Non, ça redonne pas du tout de points de vie, ça. À mon avis, c'est mort. Hein. Je vais pas m'en sortir. J'avais moyen hein, de le battre. Mais c'est moi qui a déconné. Non, j'ai déconné. J'ai déconné. Allez, on est reparti. Faut vraiment que je fasse attention à pas prendre de dégâts. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Allez, nuée toxique. Merde, ça a pas mis la bonne truc. Nuée toxique. Zurkon. Putain, j'en ai plus qu'un, Zurkon. Et j'ai déjà pris des dégâts. Putain, je déconne. What? Oh bah non... Mais putain, c'est pas ça que je veux. Bon, ça va, ça m'a pas mis de dégâts, c'est déjà ça. Et ça marche pas sur eux, ce truc. Oui, oui, bah t'inquiète. Reste tranquille, toi. J'arrive. Allez, nuée toxique. Oh, vas-y, ça sert à rien. Faut que je me concentre. Il est extrêmement dur, ce boss. Allez, les armes. Là, c'est bon, les armes. Les dispositifs, je ne peux pas. Ok. Bon, faut vraiment que je me concentre. C'est faisable. Allez. Déjà, je vais prendre la bonne arme. Je vais prendre le telt. Non. Plutôt la nuée. Et le telt. Allez, là j'esquive tout en lui mettant masse de dégâts. Voilà, c'est parfait. Là, il y a des boîtes, faut que je récupère. On saute. Putain! Je prends des dégâts bêtement, là. Lui, il prend trop la conf, il se fout trop de notre gueule. Ah putain, il y a de la vie là-bas. Allez, je récupère ça. Allez, on saute. Ça va, ça va. En vérité, il... avec cette arme-là, il est tellement facile. Allez, meurs et tais-toi, s'il te plaît. Ouloulou ! Ouloulou, là, ça devient un peu plus difficile. Attendez, parce que là, je fais que subir. Allez, meurs, s'il te plaît. Allez, meurs! Enfoiré!
ne peux pas me tuer, Lombax. Je suis le seul à savoir ce que tu cherches dans cette galaxie. Le seul à connaître ton véritable nom. Le retour des Krakvit est inévitable. Ta race ne sera jamais en paix, tu m'entends? Oh non, c'est cassé! Quelque chose a dû lâcher dans la sonde de reflux principale! Oh, laisse-moi deviner. Il manque une rondelle hexagonale de 3/4 de centicoudée. Dimensionnateur, à la maison! Ratchet? Comment tu te sens? Où est-ce qu'on est? À la maison, Ratchet. Ah! 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 Non! Tu t'es planté, mon pote! Hein? Essaie encore, mais cette fois avec la gorge! Ah! Honnêtement! Comment t'as pu devenir le capitaine de quoi que ce soit? Essaie encore! Et cette fois, rajoute un petit côté méchant. Ah, espèce d'effronté! Je crois que j'ai besoin d'un drogue. Je suis Tachyon, le prince héritier des Krakvit. Tremblez, misérables! Ah oui, car tout l'univers m'appartient. Meurs, saleté de Krakvit. Soyez prudents tous les deux. La tête de Krok est à 2 microcoudées de nous lâcher. Tu crois qu'il disait la vérité, Clank? À propos de mon père? À propos de mon rôle? Je n'ai pas décelé de mensonge dans sa voix. Mais à mon avis, tu as déjà accompli ton rôle. Tu as triomphé de Tachyon. Tu as réussi là où les Lombax avaient échoué. Merci, Clank. Ne me regarde pas! Tu as dit qu'il était cassé! On devait s'assurer que vous alliez survivre. Maintenant, il est temps de rentrer. Wow! Clank, c'est ça, Zoni? Le temps est venu, mais d'apprendre qui tu es et qui tu vas devenir. Laisse-le partir! Il est temps maintenant de reprendre ton rôle. Il est temps de venir avec nous. Il est temps de venir avec vous. Clank! Mais what? Il est parti où, là? Je veux savoir la suite tout de suite. Non, mais de toute façon, là, on va faire le prochain Let's Play Quest of Beauty. Pour ma part, je vais le faire là, à la suite, directement, là, le premier épisode. Parce que d'une, j'ai très envie d'y jouer, et puis de deux, il n'y a personne chez moi. Donc c'est l'occasion rêvée de pouvoir continuer à enregistrer. Et pour parler du jeu en lui-même, bah... C'est un très très bon jeu qui est carrément dans la veine des Ratchet & Clank avec une nouvelle histoire très bien amenée où on en apprend plus sur Ratchet et sur Clank que dans les autres opus et franchement c'est pas pour me déplaire.
j'aime beaucoup tout cet aspect qui était, on le voyait un peu genre dans les précédents opus, comme quoi c'était le seul de sa race, enfin plus ou moins parce qu'il y a Angela, mais bon c'est compliqué. Et franchement c'est très très sympa, moi j'adore, c'est vraiment un très bon jeu, j'ai kiffé. Dites-moi vous si vous l'avez aimé, mais je pense que vous avez aimé. Et dites-moi aussi si vous avez aimé mon let's play, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, moi j'ai passé un très très bon moment. Avec toutes vos aides, j'ai réussi à le terminer très très rapidement, le boss. J'ai raté le premier coup parce que j'y étais comme j'y vais d'habitude, comme un gros bourrin. J'ai pris pas mal de dégâts et c'est ce qui m'a fait perdre. Mais après, avec le tilt, quand tu vises bien... Quand tu vois qu'il y a des munitions que tu peux récupérer, c'est fini. C'est fini, le mec, il peut rien faire. Et l'arme n'est que niveau 1. Et en plus, j'ai même pas pu l'augmenter avec les cristaux. Donc, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est? Si elle est à fond, l'arme, je l'aurais terminée en 10 secondes. Donc, ouais, c'était sympa. J'espère que vous avez apprécié ce let's play. Je me répète un peu là, mais j'espère vraiment que vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir la suite de Ratchet & Clank futur. Allez, moi je vous dis à plus dans le bus. N'hésitez pas à commenter, à partager et aimer. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Ratchet & Clank.